Alors, c'est une bonne augure aussi pour tes championnats de France de 2026 qui vont arriver. Ça t'a rassuré aujourd'hui sur 10 km? Ouais, ça m'a rassuré. J'ai fait une séance avant-hier pour la continuité. Aujourd'hui, j'ai préparé avec la charge d'entraînement. J'essaierai de faire le 7 juillet le 10 des championnats de France aux alentours des 28-40, 28-50, pendant descendre en dessous des 29 minutes. Objectif. Eh bien, on te souhaite bon courage pour ces championnats de France de 2026. Et puis, écoutez, à notre champion Saint-Antoine de Wilde, vous avez décidé de passer la ligne d'arrivée main dans la main, que ce soit à Marseille, que ce soit ici. Les courses pour toi se passent bien, donc toujours des excellents pronos. Donc à Marseille, il est 15h de plus quand même, donc si il fallait s'habituer à la température. Non, mais je pense qu'avec Béni, on a respecté le slogan de la course de l'équipe, c'est-à-dire qu'on est venu, on a couru, on a partagé un grand moment ensemble. Et voilà, et comme a dit Mehdi, c'était la fraternité aujourd'hui, l'important c'était vraiment de représenter notre équipe entière en commun, qui est la seule équipe partenaire de l'épreuve, et de partager la fraternité de la course à pied aux côtés des 10 000 coureurs présents aujourd'hui. Eh bien, merci d'être venu partager la fête.